la sélection s'est déroulée tout d'abord en constituant un comité de sélection des dossiers de candidature. Ce comité de sélection était constitué d'experts métiers et d'experts technologiques qui se sont penchés sur l'ensemble des 80 dossiers qui ont été reçus. Et à l'issue de cette consultation, eh bien, nous avons sélectionné 14 startups qui vont participer à la finale. Initialement, il était prévu d'en sélectionner 12, mais de par la qualité des dossiers, de l'ensemble des dossiers d'ailleurs qui nous ont été remis, eh bien, nous avons élargi le choix final et la liste finale à 14 candidatures. Sélectionner 80 dossiers pour en arriver à 14 a nécessité de mettre en place au sein du comité de sélection un certain nombre de critères. Donc les premiers critères qu'on a mis en place, ce sont ceux qui sont génériques à l'ensemble des membres. Le premier, évidemment, l'innovation, l'originalité, le fait qu'on ne l'ait jamais vu ailleurs. Le deuxième, le corollaire du premier, la faisabilité économique, est-ce qu'il y a bien un ROI derrière la proposition de valeur? La faisabilité technologique, est-ce que derrière on sera en capacité de l'industrialiser? Et enfin, celui-là, il est peut-être plus personnel à chaque membre, le coup de cœur, l'effet waouh, le côté justement, est-ce qu'on a été transporté par le storytelling de la start-up? On a regardé plus particulièrement la capacité de réplication de ces technologies sur l'ensemble de nos sites de fabrication, en considérant bien évidemment le niveau de maturité des technologies proposées par les startups, et également en prenant en compte le délai et le coût d'implémentation de ces technologies. Après cette sélection, nous avons nos 14 finalistes. Ils sont dans les starting blocks et rentrent en phase d'approfondissement. Pour les aider, c'est aussi l'opportunité pour nous de rentrer dans une phase de collaboration avec elles. Nous avons désigné un certain nombre de référents métiers Atos SKF pour mentorer l'ensemble de ces startups. Ainsi, nous allons pouvoir commencer à co-développer, co-construire des business cases communs Atos SKF autour de vos propositions de valeur.